Coucou Darwin, alors il avance cet album? Super bien, j'allais justement ajouter Alan. T'es sûr qu'il va y avoir assez de place pour son ego? Comment ça? Il veut toujours aider les autres. Et regarde, il pose plein de citations super inspirantes à propos de la vie. Quand un homme dit oui à la vie lui dit oui aussi. Si tu veux être aimé, tu dois d'abord t'aimer toi-même. La vraie beauté vient de l'intérieur. Ce n'est jamais trop tard pour les amis. Pour moi, la vie, ça sert à être gentil avec les autres. Ça ne coûte rien du tout. Et ça peut offrir des sourires aux gens. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à toi-même. Si tu aides quelqu'un, peut-être qu'un jour, il aidera quelqu'un d'autre et bâtira un monde meilleur. Ça ne te donne pas une boule dans la gorge? Si, mais c'est mon petit déj qui remonte. Hé, pauvre Alan, les gens sont tout le temps en train de péter son délire. En particulier Gumball. D'accord, comme tu voudras, mais tu diras pas que je t'avais pas prévenu. Oh, le défi du saut d'eau. J'ai été nominée par mon ami Gumball pour faire le défi du saut d'eau glacé. Pour être honnête... Erreur de communication. Gumball n'est pas ton ami. Pour être honnête, je trouve ça mieux de donner pour la cause sans faire le défi. Mais... Erreur logique. Pourquoi tu le fais alors? Il n'y a pas de mal à s'amuser un peu tout en aidant les autres. Enfin bref, le simple fait de savoir que je me mouille pour ceux qui ont moins de chance que moi me tiendra chaud. Négatif. Un service désintéressé n'offre absolument aucune isolation. Bon, tu sais quoi, Bobert? Parfois, je te trouve un peu trop littéral à mon goût. Allez, balance le seau, s'il te plaît. Je vais nominer Tobias, Darwin et... Oh, le pauvre, ça finit toujours mal pour lui. Salut Alan. Salut, j'étais justement en train de penser à toi. J'ai trouvé une pièce toute neuve par terre et je me suis dit qu'elle te plairait. Tu es tellement gentil Alan, c'est pour ça que je vais te mettre sur la couverture de l'album. Oh, non, il y a sûrement quelqu'un qui mérite beaucoup plus cet honneur que moi. Alors prends ça comme un moyen de me racheter après tous les trucs horribles que Gumball et moi... Surtout Gumball. Surtout Gumball t'a fait subir. Y compris oublier ton nom et ta... particularité manuelle. Allez, Adriane, c'est à toi de jouer. Lance les dés. Lance les dés. Je peux pas, j'ai pas de main. Ah, c'est bon, je vais le faire alors. 6. Bon, tire une carte. J'ai toujours pas de main. Non, je vais pas tout faire à ta place. Écoute, Gumball, t'es sûr que c'est une bonne idée? Je veux dire, on n'a jamais traîné ensemble et là, tu m'invites à dormir. J'ai pas demandé ton avis, Alfred. Je peux appeler ma mère ou moi? Ouais, mais rapide, hein. Toujours pas de main. Numéro? On a tous nos mauvais jours, hein, David? Non, mais vraiment, on a été super méchants avec toi. Tu sais quoi, mon vieux? Tu mens très mal. Si tu refuses de me dire ton secret, je vais être obligée de te prendre un aller simple pour Tortureville. Gumball, il n'y a pas de secret. Ah, tu ne me laisses pas le choix. Ah, ah. Oh, c'est pas vrai. Ah, bats-toi si t'es un homme. Ah. Oui, mais il m'a aussi rendu du service. Ah, mon pote, faut que tu te reprennes et que tu trouves une nouvelle copine. À quoi bon? Parce que l'ornithorynque à bec de canard peut stocker plus de 500 vers à l'intérieur de ses joues. Ah non, ça c'est ma bio. Attends, voilà, oui, ma messe, voilà. Parce que tu dois bien ça à Carmen. Si elle te voit aller de l'avant, elle fera pareil et trouvera le bonheur qu'elle mérite. C'est vrai, je vais le faire pour Carmen. Mais qui voudrait sortir avec un ramolo dépressif comme moi? Ben, personne. Mais si tu te gonfles à bloc, t'as une chance avec ma Sammy. J'aurais jamais la force de me regonfler tout seul. Merci, Gumball. Pas de problème. Ça ne s'est jamais reproduit. Il a été assez catégorique là-dessus.